Bonjour, au sommaire de cette première revue de presse de l'année 2015, le nouveau barème de l'impôt sur le revenu, le cumul emploi-retraite et les perspectives de prix dans l'immobilier. Voilà une des principales nouveautés fiscales de cette année, la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu est supprimée. Comme le rappellent leséchos.fr, la mesure va concerner quelque 6,1 millions de contribuables français. Ajoutez à cela la réduction exceptionnelle d'impôts activée en septembre dernier, c'est plus de 9 millions de ménages modestes qui paieront moins, voire plus du tout l'impôt sur le revenu. Pour les 6 millions de foyers qui verront la facture baisser, l'économie se situerait entre 300 et 400 euros, selon les calculs de toutsurmesfinances.com. Ainsi, un couple de retraités gagnant 2700 euros net par mois paierait 330 euros d'impôts en moins. Et il y a également du changement en matière de retraite en 2015. Parmi les nouveautés recensées sur le site challenge.fr, le cumul emploi-retraite dont les règles ont changé au 1er janvier. Désormais, les polypensionnés seront obligés de liquider l'ensemble de leur pension au moment de partir à la retraite. Auparavant, ils pouvaient décider de toucher leurs diverses retraites à des dates différentes. La conséquence, expliquée sur l'express.fr, c'est que les nouveaux retraités ne pourront plus engranger de nouveaux droits à la retraite en cumulant leur pension et un emploi. Cet avantage était encore possible en 2014 en changeant de régime. Par exemple, un ancien salarié devenu auto-entrepreneur. Il sera toutefois toujours possible de cumuler emploi et retraite, mais sans pouvoir se constituer de nouveaux droits. Les professionnels de l'immobilier ont commencé à livrer leurs perspectives pour 2015 et ont largement été relayés par les médias en ligne. Le Figaro.fr par exemple note que Century 21 prévoit une baisse des prix de l'ordre de 3% cette année, tandis que la Fnaim s'attend à un recul des tarifs de 2 à 3%. En substance, le quotidien généraliste relève que la baisse varie nettement selon les régions, un constat partagé par l'Obs, analyse du réseau d'agences Guy Hockey à l'appui, pour qui les prix baissent moins dans les zones dynamiques où la demande reste forte. A l'inverse, dans les zones moins tendues, plus rurales, les tarifs reculent sensiblement, jusqu'à 2,5% en moyenne. L'article de l'Obs se termine par une note peu réjouissante, avec les conclusions du baromètre crédit foncier CSA pour 2015, selon lequel 64% des professionnels se déclarent pessimistes quant à l'avenir du marché immobilier. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse de l'actualité des finances personnelles.